dans le tuyau. Même pour aller dans le tuyau, on a du mal. C'est fou, hein. C'est dingue comme ce jeu est dur. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas que ce jeu soit aussi dur. Putain, il a pas l'air, hein. Le boss a l'air simple. Sincèrement, le boss a l'air simple. Mais le problème qui est clair de ce jeu, c'est la gestion des collisions. La caméra est horrible. C'est horrible. La caméra est vraiment horrible. Et du coup, on n'y arrive pas. Alors du coup, il y a peut-être une technique, alors je n'ai pas encore analysé, c'est de le laisser peut-être courir jusqu'au bord. Et après de lancer son niveau. Mais ça, c'est pas sûr que ça marche. Hein. Là, il l'a lancé à travers, donc il n'a pas réussi. En fait, il faut savoir une chose, c'est que plus je suis loin de Bowser, plus la caméra est éloignée de moi. Donc, plus la caméra est éloignée de moi, plus on voit rien. Parce que il est tout petit. Et en fait, Bowser, quand on le fait courir sur le bord, comme ça, et voilà, il suffisait de se concentrer un petit peu et c'est terminé. Si vous avez réussi à me garder ici, et voilà, c'est terminé. Voilà, il a fallu quand même que je... Il a quand même fallu que je coupe le live pour me concentrer un minimum. Je pense qu'il y avait la pression du live qui était là. Et là, ce coup-ci, c'est terminé, mesdames et messieurs. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, c'est terminé. C'est terminé, ça y est. Ce jeu est fini. C'est juste pour le plaisir pour vous montrer cette fin, absolument fantastique. Voilà. Donc ceux qui veulent voir la fin, qui n'ont pas pu voir la fin parce que j'ai coupé le live Twitch. J'ai enregistré en off mon combat de boss final. J'ai perdu qu'une seule vie d'ailleurs. Et j'ai réussi à faire le boss amicalement. Donc finalement c'était faisable. Mais il fallait que je me calme. Alors même pas 5 minutes quoi. Voilà, la princesse est sauvée. Mario aura-t-il son bisou? Mario! Grâce aux étoiles, le château a retrouvé ses pouvoirs. Ah, c'est ça qu'on aime. Hey, tu mérites une récompense.
C'est quoi la récompense? Un bisou? Oui! Un bazou sur le nez! Ah bah oui, ça y est, il devient fou là. C'est tout ce que tu fais comme effet? Non! Here we go! Après un bazou de la princesse? Mais j'aurais sauté dans tous les sens, moi. Voilà, ça c'est de la bonne musique, évidemment, Nintendo 64. Hein. Voilà, voilà la fin pour vous de Nintendo 64, Mario 64. Ce que vous vouliez, vous l'avez. Allez, pour votre plus grand plaisir, c'est la fin. Bon voilà, c'était la Mario 64, hein. Donc j'y rejouerai plus probablement parce que ce jeu est affreusement difficile. Au final, l'esprit Mario 64 est très intéressant. Je trouve que l'idée de chercher des étoiles partout, ça c'est vraiment une très très bonne idée. Dommage ces problèmes de caméra vraiment intempestives. Passe son temps en fait à gérer le... Ou alors c'est parce qu'il y a un coup à prendre, je sais pas. Mais en tout cas, c'est dommage ces difficultés parce que sinon on aurait pu avoir des choses très intéressantes. Ce jeu est positif, hein, on peut pas dire non plus que c'est non plus de la merde, on peut pas dire à ce point-là. Je disais ça tout à l'heure parce que j'étais énervé. Mais ouais, c'est dommage qu'il y ait ces soucis. Bon, après, c'est Nintendo 64. Voilà, ils ont pris un pari de gérer une caméra avec une croix directionnelle jaune. Bon. Ça aurait été avec le joystick de la GameCube, je pense que ça aurait pu être mieux en termes de posabilité. Après, au niveau graphisme, on peut pas juger parce que c'est la Nintendo 64, on ne peut pas juger ça, c'est pas possible. Mais en tout cas, ce jeu est positivement correct. Ça change des 2D, c'est sûr. Moi, je préfère les jeux en 2D, hein, de toute façon, quoi qu'il a dit. Mais en tout cas, voilà, c'était une expérience que j'ai faite. Est-ce que je rejouerais? Non. Je pense pas, je pense que là, ça y est, j'ai fini le jeu, on passera à autre chose et puis c'est tout. Je pense qu'on se testera Smash Bros prochainement. Allez, bisous bisous et à la prochaine.